Et bonjour tout le monde, JB Galas à votre service, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma saison 2 sur Ark, donc sur la carte Ragnarok. Et dans cet épisode, ça va être très simple, on va faire le deuxième, on va dire, sous-boss de la carte, le premier étant la Reine des Glaces, que j'ai fait dans un épisode précédent, que j'ai même fait deux fois, hein, puisque la deuxième fois, je l'avais fait pour faire les Mantis. Et donc, du coup, avant d'aller faire le boss officiel de la carte, qui va être le dragon plus la Manticore, on va donc rendre visite au golem de lave. Alors, pour trouver sa grotte, on va se rendre aux coordonnées 18.27. L'entrée de la grotte est vraiment pas facile à trouver, étant donné que elle est un petit peu cachée dans la jungle. Et donc, pendant nos préparatifs, on s'est équipé de lance-roquettes. Donc, on a trois lance-roquettes chacun, ça c'est vraiment pour le boss. Ensuite, on a des arcs à poulies et des fusils sniper. Alors, respectivement, c'est les arcs à poulies, ça va être pour s'occuper des petits dinos, on va dire les titans bois, les scorpions, les araignées, etc., les arthropleurs, enfin voilà, hein, ce qui peut traîner dans la grotte. Et ensuite, les snipers, ça va être pour s'occuper des oniques de loin, puisque les oniques, on préfère éviter qu'elles viennent nous taper et nous transmettre la rage. Et ensuite, il faut surtout penser à prendre une bonne réserve de grappins, mais ça, on verra à la fin de la vidéo, où je vous dirai vraiment ce qu'il ne faut surtout pas oublier pour faire le golem de lave. Allez, c'est parti les gens, on part à l'aventure. Oh, c'est une loutre. T'es parti où, en cascade, du coup? Ben, juste au-dessus. Les premières cascades qu'il y avait... Ouais, mais il me semblait bien, mais voilà, c'était au ras de la falaise. Et reviens, je suis là où les marchands avaient fait leur base, là, qu'on leur a dit de me déménager. Mmh. Il y a des cascades. Attends, et je suis juste au-dessus d'une cascade. Ben, je suis devant toi. Vas-y, un tout petit peu sur ta droite. Ouais, je suis là. Voilà, je suis là. Ouais, c'est assez cascade. Là, il y a une loutre. Une loutre. Tu veux qu'on la tame avant? Ouais. Ouais. Bon. Allez. On ne voit rien. Bah ouais, je m'en doute. Attends, je fais des gars. Ah oui, d'accord, on ne voit vraiment rien en fait. Ok. Bon, il faut suivre la lumière. Ouais, mais bon, le truc c'est qu'il faut qu'on y voit, il y a des pièges qui tombent. Ah, il y a un raptor alpha. Oh punaise. Raptor alpha, raptor alpha. Mais pourquoi tu m'as pas attendu? C'est avec le père, c'était rentré, ouais, c'est avec le père. Ok, ah, on entend bien. Là, juste ah, ici, là. Je le vois pas. Ah oui, là, il arrive quand même. Il y a les arcs-procureurs, c'est là-bas. Oh, mais il y en a un autre. Et voilà, et j'ai pris mon niveau. Ah non, c'est... C'est mon père, il est là, il est là. C'est bien, ça. Araignée. Bon, ben ouais. Ça c'est une affaire vraiment, mais... Ensuite on peut continuer ou pas? Ouais, on peut s'arrêter. Non, ici on va devoir s'arrêter là. Voilà, ici là juste après, donc pour le coup on va se retrouver. Attends, j'ai les araignées. Ça veut quoi? Non, rien. J'ai parlé de quelque chose. Tac, on va se quitter. Allez, une petite argentade. On tire mon tyrannote. Ah, il y a une autre araignée. Où ça? Je vais bouger. Là. Ouais. Non, laisse poser ton pierre, là. Ouais. Ok, tout en bois. Oh! Le pauvre. Mais ton piaf est rentré. Lol. Il y a encore un petit en bois dans le coin là. Ouais, attends, j'arrive. Ah ouais. Ah bah non, en fait, on peut aller beaucoup plus loin avec ça. Si, oui, mais t'en as un médecin, tu les as. Ok. Non, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais... Allez, premier loup. De toute façon, il y a encore des petits tambours. Ouais. Ouais, je te laisse le dernier. Ah!
Mais non, mais laisse-moi tranquille l'araignée là. Ouais. C'est bon, je peux me poser. Merci. Va falloir que je vide la viande et tout de mon piaf. Alors, super, des chaussures en tissu en légendaire. Et... c'est quoi ça? Sacoche de viande. Ah, pour une hyène. Oh, il fait tout noir. Et où mon piaf? Ah, il est là. Ah ouais, je vois que dalle. En plus, j'ai l'empoisonnement sur le l'argentalis, du coup. Du coup, voilà. Alors, viande. On va la jeter. Oui, la musique. Mais pourquoi j'ai autant d'obsidienne dans mon piaf? Je sais pas. Bon, bah, je la jette, hein. Ah ouais, c'est beaucoup mieux quand tu jettes 400 obsidiennes d'un coup. Mais alors d'un coup ça va mieux. Je devais être au spot polymère. Il y a encore des scorpions. Attends, on est bloqué là. J'essaie de faire demi-tour. Est-ce que j'essaie de faire? Ah, attends. On y arrive. Ah, c'est malin. Bon, bah on peut aller plus loin du coup. Non, je peux pas. On peut vraiment pas. Et par là. On sait pas là quand même. Par là. Je sais pas. Non. Non, non, j'ai pas l'impression. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est. Ok, on n'est pas les premiers à venir ici. Scorpion devant. Ah, il est bougé, il a bougé. Ah, bah ouais, mais fallait me le dire. De quoi? Ah, oh, bah je sais pas, j'étais pas sûr de réussir mon tir. T'allais le tuer. Ah, prochain truc. Prochain truc sur moi. Ah! Mais. Allez, meurs! Tu l'as eu toi la tienne? Ouais, ouais. Elle m'a touché. Okay. Ouais, mais je peux pas perdre de vie. Même si je suis un peu empoisonné. Alors, non, là, il... Ah! Oh, il y en a ah, une autre! Ah! Elle est où? Elle est où? Je sais pas, elle est là-bas devant moi. On n'y voit rien, il faudrait une torche. Hop, il y a un truc là. C'est quoi? Hop, il y a cette énorme tempura. Ah, la fin. Alors, ça peut faire quoi? Oh, mais c'est un gros lui! Araignée. Et j'ai un loot bleu. Ouais, j'ai vu. Alors c'était toi qui l'avais détruit. Attention. Ah ouais, autre chose. Araignée encore. Mais on en vient pas de là? Non. Wow, rien d'intéressant. Salle de raptor mythique et un truc. Ah, mais... ah, y a un truc là. J'ai un truc. Okay. Il est où? C'est un serpent. Ou un scorpion. Où ça? Je sais pas. Non, c'est quand j'ai pris l'artefact, je pense. D'accord. Alors, attends. Non, là on est bloqué. On va faire ça. Et là, là, on peut continuer par là. Hein. Non, non, on est bloqué. Ah oui, j'ai de la pierre. Il y en a qu'un qui prend une torche, comme ça, l'autre peut tirer. Ouais, ouais. Ouais. Tu la veux ou t'attends arc à poulie, toi, c'est bon? Oui, oui, je l'ai. Et puis, je suis avec mon. Sniper,
Bah là on en vient donc après. Ah ouais, c'est par là qu'on est c'est arrivé. Là qu'on arrive, Parce ok. que là on était bloqué avec la. Faut déjà que je bois. Là. Bah ouais, moi j'ai pas tardé, je prends un coup, je crève de chaud et ta torche. Attends, mais c'est par où qu'il faut aller alors? Tac. Ah ben voilà, c'est ça, là où j'allais, c'était bon. On peut ramasser de l'eau là? Ouais, c'est cool. On peut remplir la gourde. Elle est où maintenant? Ouais. Allez, c'est par là. Alors on est obligé d'avoir une torche. Oh, pour moi c'est réaliste. Ah non, c'était un clip-sac. Ah non, à coupie. Oula, fais gaffe, on va tomber. C'est bon, on prend pas de dégâts. Ah, j'ai du truc là. Où ça? À ma gauche, devant moi. Là, j'ai une araignée. Ah! Je vois rien. Ah, mais c'est des pièges! Yes. Couche-toi! Ah oui, mais c'est eux! Couche-toi! Ah, et j'ai, en face, j'ai en face de toi, là, t'as des. T'as une araignée. Non. Elle arrive sur toi! Oh, elle est là! Ok, bien joué. Mince. Ouais, j'y vois rien. Faire ça. Ouais, ouais. Allez, les prends là. Ah, non, mais en fait, il faut pas. Attends, attends. Attends. Ah oui, mais oui, t'as plus là. La torche. Okay, en fait, il faut... y a des petites. Ouais, mais il y a des petites. Ah oui, y a des ouais, petites... je vois les petites y a pierres des rondes là. Voilà, il faut pas les toucher. Ouais, bah, attends, avec les fougères et tout, tu vois rien. Bah, moi je longe par la gauche. Là, j'ai du cristal, ok, moi je passe. Bah, je suis à la droite. Je suis coup. Bloqué par du cristal. C'est bon, je suis en plein milieu. Bah, je suis à côté de toi. Ouais, je t'ai rejoint. Donc, par la droite, c'est mieux du coup. Fais gaffe. Ouais. Mais ça les tire d'où? Dans les murs, t'as des petites des icônes. D'accord. Des petits trous, tu sais, comme dans les Intelligence. Ouais. Oh, ils ont craqué avec toutes ces fougères là, par contre. Attention, il y a une dalle là devant toi. Il y en a deux devant nous, des dalles. Je passe entre les deux, moi. Ok, je vois. J'en vois une. Alors, bon, ça devrait passer. Attends, moi je vais prendre une caline sous parce que là, j'en peux plus. Ah ouais. Oh punaise, elles sont dans mon piaf. Non, c'est pas grave. Là, je vais t'en passer une. Merci. Tu veux t'es commencer à. La... Chaque, tu veux commencer à les boire maintenant? Oh, j'en ai bu une. Mais moi j'ai qu'une petite flamme, j'ai pas la grosse flamme encore. Moi j'étais à l'insolation et grosse flamme. Ah mais ouais, après non, j'ai une plus mythique que toi moi. D'accord. Et sinon on continue à ramper longtemps ou ça se passe comment? Je sais pas. On est dans les escaliers là. Oh. Oh bah j'y vois pas mieux debout. Hein. Ah attends j'ai un truc là. Devant moi. Droit devant ouais. Moi là. J'ai dit des araignées. Ouais. Ouais, c'est un arpent pleura. Merci. Vite, vite, vite. Ah, sur il moi. Est sur moi. Oh non, mais. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Oh, autre chose. Il est où? Il est où? Il est où? Je sais pas, pas là. Ah oui. Il est là devant moi, là. Ouais. Bon, parfait. Ouais. Merci. Ah par contre voilà ça y est. Alors là on a des escaliers. Attention, ah, araignée. Quoi? Elle est pas morte? Non. Elle est pas morte? Ah.
Ok, je suppose que si j'enlève la torche, on y voit toujours rien. Oh là là, tous les torchons qu'il y a là en bas. Il y a des. Vas-y, reste là-bas, reste là-bas. Parce que là, tu les attires, les torchons. 348. Ouais. C'est un gros. Mourir, il y a non, j'ai un truc derrière moi. Ah, oh, il y a un scorpion. Il y a ah, et là, qui je suis en insolation là par contre. Attends. Ouais. Tu vois les oniques là-bas? Ok, donc on va essayer de les flinguer d'ici. Ouais. On les voit ou pas si j'enlève. La torche? Ouais. Attends. Je fais celle qui est le plus à gauche. Ok. Voilà. Merci. Après ouais, moi je me suis allongé en fait pour les tirer. Ah ouais. Y a pas à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, t'es en bois sur moi. Ah 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 ah, il m'a frotté. Oh attends, ma torpeur comment elle se porte. Fais gaffe, mange pas des baies si t'en as pas besoin, hein. Ça va t'assoiffer. Ouais ouais, tout à fait, non mais c'est bon. Et si on utilisait le grappin là? Pour aller où? Je sais pas, froid, c'est. L'artefact bleu là-bas? Non, le loot. Le loot, oui. Ah ouais, la lave, regarde, elle y est. Ah ouais. Oh punaise, il faut faire un saut. Attends. Bah, c'est pas grave, grappin. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Mais je l'ai où mon grappin moi? Hop, non, là. C'est pas lui. Ah si, carré, c'est. C'est bon. YOLO. Ah, comment on fait pour oui. Attends, j'ai un problème, je crois. Je suis peut-être pas allé où il fallait. On, oh, peut je suis au loot. On peut retirer un grappin en étant. Non mais tu lâches avec R3. Ouais, et après. Et eh ben tu retires aussi toi. Avant de tomber. Il est nul et seul des cuisses. Attends, je vais essayer de te rejoindre, mais j'ai pas confiance en moi en fait. Bah tu fais R3 et tout de suite R2. Ok. C'est bon. Ensuite. Il faut qu'on aille où? Là-bas, de l'autre côté là? Ouais. À gauche ou à droite? Il y a une structure, on a un loot rouge là-bas. Oh punaise, non, je suis tombé en bas. C'est bon, on peut. Oh ouais, j'ai pris quelques dégâts. J'aurais voulu monter. Attends, moi je vais peut-être. On va essayer d'économiser les grappins. Ensuite. Celle qui est en bas, on peut pas la voir. On passe par là-bas. T'es où? Ouais. Vas-y. Attends, il y a un petit scorpion là en bas. Est-ce qu'il va nous enquiquer? Non, c'est bon. Merde. Il y a les oniques à droite là. Ah, il y a deux loot rouges ici. Je l'avais pas vu là. On pourrait y aller en grappin. Il y en a un. Il y en a un tout là-haut. Ouais, je vois là à droite. Sur la pointe de la structure. Hein. Et il y en a un là-bas à gauche, là où il y a l'onique. Ouais, à gauche. Mais non, mais regarde, en haut de la structure, t'en as un. Regarde où je regarde. Ouais, je le vois. Sur la pointe, t'en as un autre un tout petit peu plus en bas à gauche. D'accord, ok, donc t'en as trois. Ouais, là on en a 3 et je crois qu'il y en a un de l'autre côté, donc il y en a un quatrième. D'accord. Complètement okay. De l'autre côté par rapport à la 7. On va là-haut en grappin là. Juste à l'autre gauche là. Ah, si tu viens à côté de moi et que tu te couches, on peut choper celle qui est à droite. C'est parti. Super chaud.
T'es prêt à viser celle qui est à droite? Ah oui, il y a encore un loot là-bas tout au fond à droite. Ouais, je la vois pas à droite. Ok. Mince! T'es où? J'ai un problème, je suis en parachute. Mais je suis encore en grappin. Oh punaise. Je me suis trompé de touche. Alors attends. Ah oui, tout à droite, à côté du loot. Du fond. Ouais, tout au fond là-bas. Ouais, mais moi je peux te la toucher là. Ouais. Moi aussi. T'es prêt? Attends. Ah, ça va pas être facile. Et pourquoi je la touche pas? Ah, ça y est, je l'ai eu. Ok, elle vient sur moi. J'ai besoin d'aide. Ouais. Je peux pas, j'arrive pas à la toucher. Oh punaise, je recharge. Écoute. Désolé. C'est bon. Non, mais ça. Du coup. Bon temps. Oh, Nick. Où ça, où ça? Derrière le cristal. Tu la touches? Non. Allez, allez, sur moi. Merci. Il y en a d'autres? Non, non, mais il y en a plusieurs. Elle est où l'autre? Morte, je crois. Morte. Ouais, c'est bon, les deux cadavres à mes pieds. Bon, c'est cool, elles étaient pas enragées. J'ai de la chance. Heureusement, c'est clair. Oh, il y en a encore une, 228. Où ça? Derrière le rocher. Ah, je la vois pas. Ah ouais. Okay. J'avais pas d'angle de tir. C'est bon, y'en a plus? Ouais. Ça a l'air bon. Entre... Ah, le contraste avec la lave, ça me casse l'écran. C'est horrible. Voilà. Tu veux une torche peut-être? Tu veux mettre la torche? Non, ça va aller. C'est quoi ça? Oh, j'ai une flèche dans le... sur moi. J'étais là, mais j'ai ah, un problème. Je crois que c'est moi, je suis pas sûr. Fais gaffe, hein, pas, on pas dans la lame. Il faut aller où là? Je sais pas. Tout là-haut. Où ça, tout là-haut? Au cristal là-bas? Ouais. Voilà, et le boss normalement il est là derrière. Je te perds. Ouais, c'est en dessous de nous. Ici, là, tu crois? À droite, là? Fais gaffe, ton quoi. Ah, peut-être que c'est là-bas. Ouais, c'est peut-être là-bas. On peut y descendre, là? En grappin. Moi, bon, j'ai le parapluie, j'ai le parapluie, j'ai le parachute en raccourci. En grappin peut-être, non? Ou vas-y. Ici, là, tu le vois? Derrière toi. Derrière toi. Non? Non? Là, ouais, on peut descendre. Et c'est ici ou pas? Je vais voir. Bah attends, j'arrive. Je saute. Non, 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 parachute! Ah non, c'est bon en fait, on peut tomber. Ah, ça doit être par là. Hein. Ah, on nique. Oh non. Puis là, je peux pas tomber. C'est bon. Ah si, on y voit en fait, besoin de la torche. Encore une araignée. On nique. Je l'ai raté. Attends, je prends le fusil, c'est bien. Pourquoi je la rate? Hein? Explique-moi.
Elle est partie, je crois. À l'arrière. Ah, je l'ai ah pas mais rentré. Non, mais... Ah, Scorpio. Je l'ai pas raté. Ah, il est pas mort. Oh, une Dan Beetle, c'est mignon. Ah, il y a un truc. Où ça? Bah, y a je sais pas, j'ai entendu un bruit. Ah, j'ai récupéré une flèche. C'est ça qui est bien avec les flèches, tu peux les récupérer. Non. Ah, l'artefact est là. T'as l'artefact? Bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'artefact? On regarde bien au-dessus de nous, hein, voilà, y'a rien. C'est quoi ça? Attends. Ah non, c'est des cailloux. Ouais, c'est du rocher de métal. Oh punaise. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il faut y aller au grappin. Ah bah oui. Ouais, mais où est-ce qu'il faut le mettre, le grappin? En haut, là. Y'a rien là-bas. Oh mince, il est trop loin le plafond. Ici peut-être? Non, moi j'y suis arrivé. Là. Ouh, j'étais super chaud. Fais gaffe. Hein. Parce que derrière il y a de la lave. Hein. Ouais, je suis là. Ok. Bon, je vais attendre qu'il repop. Et ouais, mais il doit être là-bas derrière le golem. Derrière ses cristaux. Là, là-haut là? En face de moi. Ouais, ouais, derrière ses cristaux. Oui. Ok. Ouais. Ah ok d'accord, ah, bon, je croyais que c'était de l'autre côté en fait. Encore attends, plus haut il y a... Ah ouais, boss is available. Du coup, le sniper il est inutile avec le golem. Ouais, c'est... D'ailleurs on va changer les raccourcis. Ouais, alors... j'allais te dire. Allez, un lance-roquette. Moi je suis ok. Ok, moi aussi. L'arbalète avec le grappin à la main. Ouais, bah, je vais d'abord attendre parce que je vois rien sans la torche. Ah bah il faut à nouveau la pioche. Heureusement qu'il a pris ça, la pioche. On aurait été mal. Là. Attends. Je vide avant que ça commence à calculer. Voilà. Allez. Bon. Ah, et maintenant on fait comment? Ils sont montés tout en haut là-bas. De l'autre côté sur le. Vas-y, je te suis. T'as assez de grappin? Ouais, j'en ai 5. Vas-y, je te suis. Non, mais là, je suis trop loin. Vite, vite, vite. Calculating number of challengers. C'est bon, j'y suis. T'es monté où? Là, en face, dans les derrière. Quoi? What? Je suis en feu! Mais quoi? Ah, mais il est déjà là le golem. Ouais, mais non! Moi je dis non! Je suis Keblo. Ouais, mais attends. Je suis dans des cristaux. Ouais, ouais, bien, je viens de te libérer. Je crois qu'il est là juste en dessous de nous, là, non? Dans la lave, il y a le rocher. Il est en forme de rocher. Il est à la verticale de nous. Ouais. Et si on se met en grappin et qu'on redescend régulièrement, ça marche pas? Bah, on vise bien au-dessus de nous. Hein. C'est bon, tu y arrives? Fais gaffe. Fais okay. Gaffe. J'annule le grappin. Oh, je l'ai raté. Ah, je te vois. Pourquoi je peux pas sauter? Ah, j'étais accroupi. Ah! Pire. Ouais, je vais toucher. Ouais, genre, j'ai des roquettes téléguidées, ça rate ou quoi? Ok. Bah, c'est nul les roquettes téléguidées en fait. Ah, il faut ouais. Peut-être. Ouais, ça marche mieux déjà là. Fais gaffe. Ah, vite. Oh, on a raté. Ah, c'était juste. Hein. J'ai raté.
Et ben voilà. Non. Oh, On l'a excellent. fait. Trop bien. On a eu le golem de lave. Il me reste 12 et 6, il me reste 18, 18 roquettes, 19 roquettes il me reste. Me reste 7. Waouh, ok, t'as tiré, ouais, t'as tiré un peu plus que moi. Et comment on fait pour aller récupérer le loot? Ben, on peut pas. Mais Ou alors on normalement va les droites, non? il y a du loot normalement à récupérer. Ben, je pense. Là il y a un loot rouge, je le vois. Il y a un loot rouge? À Ah droite. oui, je le vois aussi, ouais. Ouais, mais sur le... Tu veux que j'essaie d'aller sur le... Et il y a un loot rouge à gauche aussi. Ah, fais gaffe! Qu'est-ce qu'il fait? Mais J'essaie d'aller sur le golem. ça va pas, toi! Oh! T'es sûr que tu Aller vas sur le golem te. pour le récupérer. Ah, fais gaffe à ça, ou que tu reviennes. Hein. Je peux t'en rendre Ouais, des. je Je peux sais. t'en donner, mais. Il m'en reste deux, donc est-ce que je suis à l'aplomb là? Non, je suis pas à l'aplomb du golem. Attends, moi peut-être que j'y suis là. Je crois que je suis à l'aplomb du golem, moi. Ouais, c'est bon, j'y suis. C'est bon, j'ai accès à l'inventaire. T'as Alors, moins de soucis sur le premier loot. on Oh, a des pieds en pied meute à 594. Un bouclier mythique anti-émeute, un casque anti-émeute légendaire, une épée légendaire, des palmes légendaires, on s'en fout. On regardera après, je vais tout ramasser. Hein. ouais. Puis on verra ça. Oh mince! Mon grappin il s'est enlevé, vite! Il faut que je le pose quelque part. Où ça? Ben, viens vers moi parce que j'ai plus qu'un seul grappin, moi, et je suis pas sûr de pouvoir sortir de la cave. T'es où? Derrière toi. Le jeu est cassé, je peux pas utiliser mon grappin? Ah, mais une armure! Il y avait deux armures anti-émeute! Lol. C'est bon, là, normalement, ça devrait aller. Ah, ok, donc en fait, si t'es trop lourd, ça te dégage le grappin d'un coup, en fait. Là, j'ai sauté moi pour venir ici. Donc tu peux sauter pour aller chercher l'autre loot rouge là-bas si tu veux. Tac. Je t'attends ici Ouais, parce qu'il y ça avait marche. un autre loot rouge là-bas. Mais en fait, je suis Et... encore trop lourd et je ne sais pas pourquoi. Bon, bah du coup, Il faudrait la torche par contre. on fait comment? Ok, tu veux la torche? Alors attends, je vais te la mettre, voilà. Ah bah y'a des Allez. escaliers Ouais. Ah bah moi dans le Bon. noir tu voyais rien, alors je suis passé en grappin. Et ben voilà, on a réussi. En fait, Ouais. le plus dur, c'est d'arriver dans la grotte, en fait. Boss, il cooldown pour 47 minutes, donc on peut pas le refaire, tu vois. Bon, si, mais dans 47 minutes. Si, Ah, si, si, j'ai il un y a truc quelque là. chose là. Scorpion. Et il y a un arcophora au fond. Il arrive. Ok. J'ai eu peur pour ma vie. Un Encore? autre Arthoptera. Il a cassé mon dernier. C'est bon, il est mort. Je sais pas ce qu'il m'a cassé, mais il m'a cassé. Oh, il y a un truc là. Ah, araignée. Araignée. Ok. Bon, bah écoute, je vais te laisser tirer. Arrêtez de prendre mon arc pour rien. Il t'a cassé les bras, je crois. Oh, Là, il y punaise, a j'ai un autre encore truc là. derrière nous. Araignée. C'est bon, là je suis en forme. C'est les pieds qui m'ont Je vois cassé. ça. Bon, bah, je crois qu'on Attends, est bien là. je passe devant C'est parce que bon, il y a moi j'ai les de la vie. pierres. Ah ouais, ça y est. Bah, attention, il y a une loutre. Niveau 54. Oh, il m'a fait peur. Je pensais. Ah non, ça c'est Mecha. Tiziane, elle est là. Bon, bah voilà. Non, mais c'était. Allez. On rentre à la base et on pose le loot. Mission accomplie. Là, Eh ben. le petit lag.
qui va bien. Allez, retour à la maison. Prochain objectif. Prochain objectif, ça va être la clôture de cette saison Ragnarok. Puisque ça va être le boss. Voilà. Ça va être le boss, clôture de Ragnarok, et puis ensuite voilà, un nouveau petit titre que je vous balancerai comme ça dans quelques vidéos, hein, sûrement les prochaines aussi. J'en parlerai plus sérieusement quand on aura fait le boss, parce que normalement ça devrait être assez rapide. Il y aura une troisième saison qui sera assez particulière, ce sera du rush, donc l'objectif sera très simple, il n'y aura pas d'objectif particulier, il faudra juste torcher The Island pour faire les trois boss et puis la tech, voilà. Et accessoirement platiner le jeu aussi, c'est à faire. Donc faire tous les timings possibles. Pour clôturer cette petite aventure sur le golem de lave, une confirmation super importante, c'est-à-dire que il faudra absolument avoir vraiment beaucoup de grappins. On a utilisé, alors on connaissait pas la grotte, donc on a utilisé combien, 40 grappins à peu près. Presque 50 grappins, parce que voilà, pour être sûr de pas se rater. Donc ça c'est quelque chose à penser, vraiment prendre beaucoup de grappins. Pour le boss, vous l'aurez compris, des roquettes, on a utilisé 4 lance-roquettes en tout, donc on a tiré 4 fois 15 roquettes. Donc ça fait 60, c'est ça, hein, 60 roquettes à peu près. Le deuxième lance-roquette, je l'ai pas cassé. Oui, c'est vrai, moi aussi je l'avais pas cassé. Donc du coup voilà, les roquettes, il faut en compter, allez, on va dire 50 roquettes, un truc comme ça. Donc par contre le golem de glace, bien évidemment, c'est comme la reine des glaces, ce n'est pas la peine d'essayer de le faire tout seul, ce sera littéralement impossible de faire cette grotte tout seul, parce qu'elle est dure, hein. Elle est franchement dure. Au niveau des petits dinos qui vont être dans la grotte, enfin petits c'est pas leur niveau, hein. Mais au niveau des dinos qui vont être dans la grotte, je pense que comme on a fait là, les arcs à poulies, ça suffit. Arc à poulies sniper, parce que les zoniques, quand elles sont loin, c'est mieux de pas se rater les tirs. Mm-hmm. Donc les zoniques de loin, et puis le petit fusil à blanc, c'est pas mal non plus quand tu les as ratés, elles sont sur toi. Oui, c'est vrai. Alors après, nous, on a eu de la chance, c'est qu'on n'a pas eu besoin, enfin, grâce à la résistance des persos, surtout à la vie, notamment pour Seb, on aurait mieux fait d'avoir un petit peu d'antidote avec nous. Voilà. Oui, ça aurait cool. Été bien. Après, on a eu de la chance. Clairement. Sur la fin, on a eu de la chance parce que les dernières uniques n'étaient pas contaminées. On s'est fait mordre, mais on n'a pas été, malade. Mais bon, du coup, globalement, le plus dur, c'est d'aller jusqu'au golem, et le plus dur, ce sera d'avoir pensé à prendre assez de grappins. Vraiment, c'est la difficulté de la grotte, quoi, je pense. Parce que si on se rate et qu'on tombe dans la lave, c'est de la lave, hein. Voilà, c'est pas un dessin. Ça fait. Écoutez les gens. J'espère que cet épisode d'aventure vous aura plu. Ça aura été donc le deuxième boss, on va dire, alternatif qu'il y a sur la carte de Ragnarok. Le premier étant la Reine des Glaces. Ensuite, vous avez le golem. Les loots du golem sont plus intéressants que celles de la Reine des Glaces, par contre, mais il est plus dur à faire. Franchement, la Reine des Glaces, à deux, on peut y aller quand on sait à quoi on s'attend. C'est assez facile. Donc le golem a vraiment de bons loot. Et puis du coup, je vous dis rendez-vous pour le boss final, l'arène, où on va devoir combattre le dragon plus la manticore en même temps. Pour ça, on a un petit élevage de rex. D'ailleurs, normalement, notre armée est complète. On a 19 rex qui sont tous le long de la paroi là-bas. Donc on a 19 rex, on a un petit tyrannus qui nous attend pour aller faire ce boss. Si jamais cette vidéo vous a plu, bien évidemment, pensez à participer en commentaire, à mettre un gros pouce bleu, à partager un maximum la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, pensez à vous abonner. C'est dans la description que vous trouverez tous les liens pour me contacter via les divers réseaux sociaux, ou même me soutenir sur ma page Tipeee pour essayer de prolonger cette aventure YouTube. Moi, de mon côté, je vous souhaite une bonne continuation et un bon jeu à tous. Bye.